Qu'on soit salarié ou qu'on soit bénévole dans un centre social, notre action est continuellement emplie de sigles et d'institutions un petit peu étranges. Alors là, je vais vous en donner une nouvelle, c'est l'UREXO, Union Régionale des Fédérations des Centres Sociaux. Parce que même dans le sigle UREXO se cache un F que personne ne voit. Et en 2004, c'est une institution qui a été créée il y a une vingtaine d'années, et en 2004, l'Union Régionale des Centres Sociaux, des fédérations des centres sociaux, a déterminé une orientation forte, c'était de mieux ancrer son projet à l'intérieur de la région et à l'intérieur même des centres sociaux. Mais alors c'est vrai que quand on est dans un centre social au bord de l'Atlantique ou en Charente-Limousine, ou qu'on soit dans le Poitou, dans les Deux-Sèvres ou tout à fait au sud de la Charente-Maritime, est-ce qu'on a des points communs? Et bien, on va voir ça dans le film. La région Brest-Toux-Charente, c'est 4 départements, celui de la Vienne, celui des Deux-Sèvres et puis les deux Charentes, Charente et Charente-Maritime. Et cela représente au niveau des centres sociaux 70 équipements répartis donc sur l'ensemble de ces 4 départements. 76 200 utilisateurs, 3 400 bénévoles, plus de 2 200 salariés. Les centres sociaux, c'est aussi un réseau qui accompagne d'autres associations. 1300 associations sont accompagnées par les centres sociaux et tout cela pour un budget de 42 millions d'euros.